Alors que Kylian Mbappé semble être la grande priorité de Zinedine Zidane en vue de l'été prochain, le Real Madrid aurait un plan assez surprenant. Auteur d'une grande saison avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a confirmé son nouveau statut acquis durant la Coupe du Monde. Du haut de ses 20 ans, le Français a en effet déjà inscrit 32 buts en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Par conséquent, le Real Madrid en aurait fait sa grande priorité pour son recrutement galactique l'été prochain. L'idée est de faire de Kylian Mbappé le successeur de Cristiano Ronaldo. Mais Florentino Pérez, ayant conscience que le PSG refusera de négocier et sachant que le président du Real Madrid n'a aucune intention de froisser Nasser Al-Khelaifi, les Merengues auraient un plan étonnant pour attirer Kylian Mbappé, comme l'explique Guilhem Balague. Le Real Madrid prêt à attendre la fin du contrat de Mbappé, le Real Madrid est prêt à offrir 12 millions d'euros par à Mbappé. Mais le PSG ne veut pas négocier, donc que va faire le Real Madrid? Ils vont attendre que le contrat de Mbappé prenne fin. Et comme il ne lui reste que 3 ans de contrat, il n'aura que 23 ans et Mbappé lui-même a affirmé qu'il ne partirait pas cet été. Je pense que dans son esprit l'idée est d'aller au bout de son contrat avec le PSG, ou peut-être un an avant le terme de son bail, puis il partira. Le Real Madrid compte aussi là-dessus, par conséquent, cet été Eden Hazard sera le favori pour rejoindre le Real Madrid, confie le journaliste espagnol sur sa chaîne YouTube. Pour rappel, Kylian Mbappé est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG.